Bonjour tout le monde, bienvenue sur la Mèche des Étampes. Je vous présente rapidement aujourd'hui les achats économiques que j'offre pour les papiers design du catalogue des fêtes et les rubans du catalogue des fêtes exactement. Pourquoi acheter un achat économique avec moi? C'est parce que premièrement, vous avez un petit peu de tout, donc le quart de chacun des paquets de papier. Et si vous choisissez les rubans, donc ça va être 1,5 m de chacune des roulettes de ruban. Donc vous avez un bon choix pour faire vos cartes et vos projets de Noël sans devoir tout acheter en grosse quantité. Donc pour les paquets 12 par 12, vous avez un quart du paquet en 6 par 12. C'est vraiment le fun, vous allez avoir une belle variété pour vos cartes de Noël. Je vous montre ça tout de suite. Ça c'est un papier spécialité avec des petits brillants incrustés qui sont vraiment jolis. Je vous montre l'autre côté tout de suite après. Donc, vous avez le quart du paquet et regardez de l'autre côté, une super belle variété. La collection automnale maintenant. Voyez ça, c'est beau. Et en plus, quand vous allez les voir en vrai, c'est encore plus beau qu'à l'écran. Donc voici un côté, l'autre côté, donc des belles citrouilles pour l'automne, mais qui sortent des citrouilles oranges conventionnelles qu'on voit. Donc pour votre table à l'Action de grâce, ça peut faire des belles décorations également. Le papier d'Halloween, alors voici les petites toiles d'araignée, les livres, les châteaux hantés. Et comme je dis tout le temps, Stampin'Up prévoit toujours un côté plus Halloween puis un côté plus neutre. Donc, ça peut vous servir à d'autres occasions en même temps. Ensuite, le papier qui va faire fureur pour Noël, c'est celui, le papier miroitant, qui est un papier spécialité. Alors, je vous montre le côté qui est avec du beau... C'est comme doré, cuivré, comme entre les deux, je dirais... C'est de toute beauté. Donc, le côté comme ça. Et l'autre côté, vous voyez, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres occasions de Noël que Noël, si vous en reste. Donc, voici le papier design ici qui fait les belles tapisseries. Là, je vais vous montrer le côté vert pour commencer. Alors, vous avez des belles scènes hivernales. Et de l'autre côté, vous l'avez en rouge. Donc ça, ce sont les papiers 6 par 12. Ensuite, on va aller dans les paquets 6 par 6. Alors, il y a encore là une belle variété. Je vais vous montrer l'autre côté tout de suite après. Donc, pour ceux-ci, j'ai pas fini là. On a l'autre côté, regardez les carreaux et vous avez aussi du doré dans plusieurs papiers. Il y en a encore ici. J'espère que vous les voyez bien. On retourne de côté. Regardez-moi ça, on a le goût de les manger, n'est-ce pas? Donc oui pour Noël, mais oui aussi pour les autres occasions de l'année et des belles cartes masculines aussi. Des fois, il nous manque de papier. Ensuite ici, les petites lettres de Noël, c'est vraiment beau, hein? Donc ça va faire changement pour vos projets. On voit déjà hein, des bases de cartes, des arrière-plans de cartes qui sont déjà tout dessinés. Il nous manque presque juste un vœu. Un petit look un petit peu vintage, ça va être vraiment populaire ça aussi. Alors voyez-vous, je vous montre l'autre côté. Les côtés, l'autre côté est un petit peu plus neutre et on aime ça parce qu'on peut des fois vraiment y aller juste en tournant nos retailles et ça va tout de suite bien ensemble. Je termine avec mon paquet préféré. J'ai oublié de vous les montrer les petits dans mon aperçu de ma précommande, hein? Mais là, écoutez, on est gâtés. Regardez, ce sont des images, des photos de très grande qualité. On a beaucoup de détails. Vous allez voir quand vous allez l'avoir entre vos mains, là, le givre. Et regardez ça. N'est-ce pas qu'on imagine un arrière-plan de carte avec un vœu de Noël, puis bingo, c'est fait. La même chose ici.
T'sais, c'est vraiment, vraiment beau. Regardez ça. Oh! Les petites branches de pin enneigées. Ah, oh, j'adore. Donc, ça, c'est un côté. Et vous allez être surprise de voir l'autre côté qui est tout métallisé. Donc, c'est vraiment le paquet, je trouve, qui vraiment m'accroche beaucoup, beaucoup. Très, très miroitant. Alors, quand vous commandez un achat économique, je vous dis, pour les achats économiques, c'est vraiment Canada seulement. Même les commandes Stampin' Up, je ne peux pas, selon les règlements de la compagnie, faire livrer ailleurs qu'au Canada. Donc, ça vous fait une bonne pile. Regardez ça, là. Pour l'automne et pour les fêtes, mais aussi pour le restant de l'année, vu qu'il y a beaucoup de papier passe-partout, c'est super bien protégé, emballé. Je poste ça chez vous. Donc, il faut vous inscrire rapidement. Voici maintenant les rubans que j'ai déjà préparés pour vous montrer à quoi ça va ressembler quand vous allez les recevoir. Donc, vous avez tous les rubans du catalogue des fêtes. Actuellement, je n'inclus pas les ficelles, mais là, elle allait avec un des rubans, donc j'ai oublié de le mettre. C'est mon exemplaire à moi, là. Donc, vous allez avoir 1,5 mètre environ de cette ficelle-là. Donc, ça vous fait un bel assortiment pour aller avec vos papiers design parce que tout ça, c'est coordonné, OK? Un va aller avec une collection de papiers, l'autre avec l'autre. Donc, si vous achetez les deux, c'est encore mieux, mais vous avez le choix également de les prendre à l'unité. Dernière chose, à chaque fois que je fais des achats économiques, il y en a qui m'écrivent au bout de 3 semaines, je veux m'inscrire, mais c'est fini, il faut que vous inscriviez la première semaine dès que ça sort, là. Des fois ça peut aller le temps que je remplisse mes groupes jusqu'à 2 semaines et demie, oui des fois 3 semaines, mais des fois non, surtout pas pour des belles choses de Noël comme ça. Donc, vous allez manquer votre chance si vous tardez trop. Alors, allez tout de suite sur lamagiedesetampes.com. Je vais vous mettre le lien en bas pour aller vous inscrire. Alors, au plaisir de vous avoir comme cliente pour mes achats économiques. Bonne journée!